Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous fais une petite vidéo sur cette pailleuse qui est sortie aujourd'hui, qui était déjà présente sur le 19. Après, ils ont bloqué quelques trucs, parce qu'avant, sur le 19, on pouvait remplir directement de paille en vrac. Et là, impossible. Alors, une fois que vous aurez téléchargé le mode, vous allez dans la catégorie animaux. Voilà, vous avez trois modèles. Il y en a un pour, il y en a un pour les chargeuses avant. Vous en avez un autre. Pour les télescopes, vous pouvez acheter que le truc tout simple. Voilà, vous avez différents modèles. Et vous avez le dernier modèle qui est pour télescope. Alors là, si vous voulez mettre les flexibles hydrauliques, vous pouvez, ou les enlever. Ensuite, vous pouvez faire de la couleur que vous voulez. N'importe quelle couleur. Moi, comme vous avez pu le voir pour la vidéo, je l'ai fait en jaune d'air. Voilà, vous n'oubliez pas, c'est le troisième. C'est le troisième pour le télescope. Et dedans, vous pouvez mettre des balles de paille, des balles de foin, des balles d'herbe et des balles d'ensilage. Les trois, c'est pareil. Après, comme vous pouvez le voir, pour charger les balles, c'est pas autoload. Donc, il vous suffit simplement de déposer votre pailleuse et avec la touche triangle, vous sélectionnez le dernier au bout. Et là, vous voyez, vous avez que le pic-balle. Là, vous pouvez pas la prendre parce que c'est pas une c'est je suis voilà, vous la chargez dans votre charger dans votre pailleuse. Vous pouvez soit l'accrocher d'un côté, soit de l'autre. Comme vous avez comme vous voulez. Vous avez vu là quand je l'ai accroché la balle et la volée.
Vous l'accrochez dans n'importe quel sens. Ah, on va essayer d'être en bas. Et voilà, vous avez par contre ça c'est bien amélioré parce que sur le 19 c'était que dans un seul sens. Alors, des fois c'était un petit peu chiant quand vous étiez en train de charger. Il fallait toujours retourner de l'autre côté ou voilà. Tandis que là, soit dans un sens, soit dans l'autre, selon votre préférence à vous. Bon voilà, normalement il n'y en a pas besoin, mais voilà. Et là vous mettez là, vous activez la pailleuse. Ouais, c'est un petit peu long à faire. Voilà. Le temps qu'elle se vide. Et vous faites comme ça, et ça fait un petit peu plus réaliste. Puis c'est sympa aussi. Ça change un petit peu que toujours du vrac. Voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo sur cette pailleuse vous a plu. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!